a réellement inventé le cinématographe? Est-ce Louis-Aimé Auguste Le Prince, qui a mystérieusement disparu, ou bien Edison, avec son kinétoscope, ou bien Robert Williams, Paul, ou encore l'allemand Max von Sladenowski, sans oublier Louis Lumière, qui a inventé le cinéma. L'épisode que vous allez voir, eh bien, c'est un petit peu la bagarre entre Louis Lumière et Edison. Hé, il paraît qu'il y a un spectacle. Oui, juste là. C'est Edison, je crois, qui va montrer son invention. Oui, mais moi j'ai vu, c'est plutôt Louis Lumière qui a une superbe invention qui pourrait peut-être, qui aura peut-être de l'avenir. Je crois qu'il appelle ça le cinématographe. Alors, tu vas où? Je sais pas, moi, je vais par là. Allez, bah, moi je te suis. Tout le monde a décidé d'aller voir l'invention de Louis. Eh bien, c'est pas grave. On verra qui est le plus convaincant. Messieurs, mesdames, venez voir le kinétoscope, une invention révolutionnaire. Vous allez en voir jusqu'en 2014 sûrement. Oui, c'est loin, je sais. Venez voir, venez, le futur dans votre salon bientôt. Oui, venez, venez, venez voir le kinétoscope. Et venez assez rapidement, allez-y, et je vous offre les places gratuites, allez-y, venez, venez, venez. Ouais, c'est pas mal, mais ça bouge pas vite. Non, c'est vrai, mais bon, c'est le début du progrès, peut-être. Oui, mais quand même, ouais, on peut peut-être faire mieux, hein. Ah, tu crois, tu crois? Je ne sais pas ce qui se passe. Le cinématographe est prêt, la machine est prête, tout ça. Et on peut passer des films qui bougent rapidement, quoi. Il n'y a personne. Vous pouvez peut-être m'aider, vous qui avez une taille importante. Voilà le farfadet qui a décidé d'aider Louis Lumière, va dans la salle qui est occupée par Edison, qui a attiré tout le public. J'espère que le public va comprendre ce qu'il dit. Tout le monde iso tout parti, comment je vais faire, moi? Oh, mon invention est superbe. Plus tard, on va dire que c'est Edison qui a inventé le cinématographe, finalement, c'est un beau nom, hein, que kinésithérapeute. On dirait de la psychanalyse. Bon, il faut que j'aille voir ce que c'est, moi. Ah, oh là 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 là, c'est pas possible, c'est pas possible. Maintenant, plus personne ne va rentrer dans la salle. Ils sont tous là. Eh bien, nous pouvons commencer la projection. Dans la salle, tout le monde est présent. Ainsi qu'Edison, qui veut voir cette nouvelle invention. Ce que Louis Lumière ne sait pas, c'est que son invention, le cinématographe, va changer de nom, va devenir le cinéma, et il sera projeté partout dans le monde.